Voilà, soyez les bienvenus pour ce conseil. Ça va, il ne fait pas trop lourd, enfin j'espère. Pas encore. Demain, il y a une annonce, grosse annonce de tempête, grêle, orage, à partir de 14h. Orage, vent, grêle. Ah bon. Alors, quelques communications. D'abord, nous avons reçu la délibération, l'acceptation de notre délibération du 12 avril qui décidait de modifier le statut administratif des grades légaux. Donc, cette délibération est approuvée, Madame la Directrice. C'est une bonne chose. Nous avons également reçu la délibération qui approuve notre MB1 avec une correction puisque nous arrivions au service extraordinaire à un malit de moins 347, mais il avait été oublié une recette de 418, donc on arrive à un résultat de 70 670. Recette, c'était, si je ne m'abuse, monsieur le directeur financier, le PIMACI. Voilà. Donc, c'est très bien. À l'ordinaire, pas de changement. Et une dernière chose, le prochain conseil aura normalement lieu le 3 juillet à 19h en cette même salle. Voilà. Le point numéro 2 consiste en l'examen des comptes annuels de l'exercice 2022. Nous avons le président, le directeur financier. C'est formidable. Je vous cède la parole. En fait, simplement pour dire que le compte a été passé en comité de concertation, il est passé au conseil municipal. Maintenant, il vous est proposé, et je vous laisse le soin au directeur financier de vous présenter ce compte 2022. Bonsoir à tous. Commençons par rapport au compte 2022. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est la carte d'identité du CPS au 31 du 12. Donc, vous voyez, il y a trois informations. La première information, c'est le nombre d'habitants. Donc, c'est le grand rectangle en bleu. Ensuite, on a le nombre de bénéficiaires du RIS. Et en troisièmement, nous avons le nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide financière au cours de l'exercice. Donc on peut voir qu'en 2022, en termes d'habitants, on est à 8169. Donc on voit une augmentation de 100 personnes par rapport à l'année dernière. Chose importante et qui aura un impact tant sur les recettes que sur les dépenses au cours de l'année 2022, c'est le nombre de bénéficiaires du RIS. Donc on voit qu'en 2022, on a eu 50 bénéficiaires du RIS, alors qu'en 2021, nous avons eu 62 personnes. Donc une diminution de 12 personnes par rapport à ce revenu d'intégration. Et en termes de nombre de personnes ayant bénéficié de l'aide financière, on est plus ou moins sur le même chiffre qu'en 2021, étant donné qu'on a aidé 347 personnes sur l'entité au cours de l'exercice. Au service ordinaire, au niveau global. Donc il faut savoir que nous avons constaté des droits à hauteur de 2 979, donc pratiquement 3 millions. On a engagé des dépenses à hauteur de 2 665 000 et on a, par rapport à ces engagements, reçu les factures. Donc on a créé les imputations pour 2 637 339. Ce qui nous donne finalement un boni budgétaire pour l'exercice 2022 de 314 314 et derrière la différence en termes de boni global de 342 251 euros. Ce qui nous apporte également, sur l'année 2023, nous avons reporté en termes d'engagement 27 937,35. C'est la différence tout simplement entre l'engagement et l'imputation. Sur l'exercice propre, on est en termes de droits constatés à 2 397 000, donc pratiquement 2 400. En termes d'engagement, on va avoir un engagement à hauteur de 2 429 000. Et en termes d'imputation, nous avons une imputation pour 2 406 000. Ce qui nous donne cette année en exercice propre un Mali de 32 164,23 pour effectivement un boni comptable de 9 142,69. Derrière, comme pour le global, nous avons reporté des engagements de l'ordre de 23 021,54 euros.
Donc vous voyez que finalement l'exercice antérieur a eu un impact positif sur l'exercice global, étant donné que pour l'année 2022, on a un déficit de 32 164,23. Par rapport à l'évolution des résultats, c'est une bonne chose, étant donné que les résultats globaux entre 2020, 2021 et 2022, ils sont toujours en augmentation. On est passé de 2021 à 290 515 pour arriver, comme je viens de vous le mentionner, en 2022 à 314 314. Au niveau du service ordinaire pour les dépenses, donc je parle bien des dépenses courant l'année 2022, bien évidemment. Donc on a des dépenses de l'ordre de 2 334 095. Elles sont effectivement divisées en plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont les dépenses de fonctionnement pour 211 386. Ça représente plus ou moins 9% de nos dépenses annuelles. Bien évidemment, la plus grosse dépense du CPS, c'est les dépenses de personnel. Donc là, on est pour 54,18% de dépenses pour un montant de 1 264 000. Ensuite, nous avons les dépenses de transfert qui représentent 35%, donc la deuxième plus grosse dépense de l'année pour 799 000. Et en dépenses de dette, 38 258,74, c'est les emprunts du CPS. Et en termes de dépenses de prélèvement, 20 000 euros, je vais vous l'expliquer quelle est la dépense de prélèvement juste par la suite. Okay. En termes d'évolution, on voit une diminution par rapport à 2020, par rapport à 2021 également. Donc vous voyez qu'en 2021, on était à 2 385 000, alors qu'en 2022, nous sommes effectivement à 2 334 000. Donc on constate depuis deux années une diminution de ces dépenses. Elle s'explique en grande partie par les diminutions des dépenses de transfert. Donc c'est vrai qu'en termes de dépenses de transfert, par rapport à l'année 2021, on était à 942 000 euros de dépenses de transfert, alors que cette année, on est plus ou moins à 800 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux années de 142 000 euros, qui a un impact, bien évidemment, sur ces dépenses. Pour les autres dépenses, par rapport aux différentes années, on reste plus ou moins stable sur le long de l'année. En termes de dépenses de personnel, il y a trois lignes. La première ligne, c'est les dépenses de personnel. Donc on a une augmentation de 4,91% alors qu'on sait que finalement l'indexation a pratiquement été de 10% durant l'année. Donc on voit qu'on a géré le personnel finalement et qu'on a su un peu désimpacter, si je peux dire, cette indexation annuelle. La deuxième ligne, c'est les recettes. Enfin, la deuxième ligne en bas, ce sont les recettes, la ligne orange. Donc, la ligne orange, elle reste plus ou moins stable. Pourquoi ? Il faut savoir qu'en 2021, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'aides relatives au Covid ou ce genre de choses qui a impacté justement nos dépenses de personnel. Certes, on a eu une indexation des points APE, mais qui n'a pas été à la hauteur de l'indexation totale de la masse salariale. Donc ça nous donne finalement le coût net. Le coût net, c'est la ligne au milieu. On peut se rendre compte qu'on a un montant de 7,82% par rapport à l'année dernière pour avoir une dépense de personnel de l'ordre de 930 000 euros pour le personnel du CPS. Ensuite, en dépenses de fonctionnement, on a 5,5% d'augmentation par rapport à l'année dernière, mais quand vous regardez, c'est plus ou moins 12 000 euros d'augmentation. Il n'y a pas eu d'augmentation... vraiment assez conséquente. La seule augmentation sur les dépenses de fonctionnement, ce sont les dépenses liées à la flotte de véhicules du CPS. Donc vous doutez qu'en 2021, on n'a pas fait de repas, on n'a pas fait de livraison de repas. En 2022, nous avons repris les repas. Et après, ce qu'il faut également savoir, c'est que la flotte du CPS vieillit et donc, bien évidemment, ça demande un petit peu plus d'entretien et ce genre de choses. Donc c'est un peu la raison pour laquelle, pour toute info, on a eu une augmentation de pratiquement 7 000 euros relative justement à ces dépenses d'automobile sur l'année 2022. Okay. Sur les dépenses de transfert, donc par rapport aux dépenses de transfert, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver l'aide sociale octroyée, on va également retrouver les risques, les différents risques, les différents articles 60 exacts également. Donc, comme je vous l'ai mentionné au départ, on a eu une diminution des risques octroyés durant l'année. Donc, forcément, ça a eu un impact également sur les dépenses de transfert, étant donné que comme on octroie moins d'aides, non pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'il y a
moins de personnes qui viennent solliciter le CPS, c'est une diminution directe sur nos dépenses de transfert. Donc prenons l'exemple par rapport à l'année dernière, on a effectivement une diminution de pratiquement 15%. Donc les risques ont diminué de près de 20% par rapport à l'année dernière, soit une diminution de 41 000 euros. Donc voilà, et ça va tout le temps dans ce sens-là, les dépenses de transfert, la diminution des aides sociales octroyées, ce genre de choses, si on octroie moins, on dépense moins, tout simplement. Ensuite, sur les services ordinaires, au niveau des recettes. Donc sur les recettes, nous sommes à 2 301 930, il n'y a que deux recettes pour le CPS, ce sont les recettes de transfert et ce sont également les recettes de prestations. Donc prestations, c'est tous les services que le CPS peut offrir aux habitants de Bruneau. En termes d'évolution des recettes, voilà, on a une diminution par rapport à 2021. Donc nous passons de 2 467 335 à 2 301. Donc plus ou moins une diminution de 160 000 euros. Oui, voilà, 160 000 euros par rapport à l'année dernière. Quelles vont être les raisons? Je vais vous l'expliquer juste ensuite, mais d'un point de vue pratique, sur les recettes de prestations, on est plus ou moins au même niveau, voire un peu plus que 2021. Donc en 2022, nous sommes à une recette de 319 232 contre 306 000 l'année passée. Vous le voyez, comme je l'ai noté, nous avons livré 17 826 repas au cours de l'année, ce qui rapporte plus ou moins une somme de 126 000 euros. Nous avons la facturation des aides ménagères pour 22 396. Nous avons également les titres services pour 85 000 euros. Et nous avons la location des biens immobiliers, en ce qui compris les terres, les droits de chasse et ce genre de choses pour 76 000 euros. Et également le taxi social à hauteur de 9 082,80 euros. En termes de recettes de transfert, c'est là où il va y avoir l'impact de la diminution en totalité de nos dépenses de transfert. Pourquoi ? Les différentes recettes de transfert, c'est l'intervention communale. Donc celle-ci, on connaît une augmentation de 2%. Nous avons le subside de titres-services pour 150 421. Les subventions, les différentes subventions pour le personnel de l'ordre de 260 000. Et également le fonds spécial de l'aide sociale pour 66 000 euros. Par rapport à 2022 et la raison pour laquelle on a connu une certaine diminution, c'est voilà, en 2021 et en 2020, on a eu vraiment beaucoup d'aides liées au Covid. En 2022, Covid étant terminé, ces aides ont diminué. Ensuite, on a également, comme je l'ai expliqué, on octroie moins de risques, donc l'État nous compense moins effectivement ces montants, donc on a une diminution des recettes de la récupération du risque, étant donné qu'on a des risques, une diminution des risques octroyés en 2022, soit plus ou moins 93 000,724 euros de recettes en moins. Et la dernière, il faut savoir qu'en 2022, on n'a pas eu beaucoup, pratiquement pas, sauf si je me trompe, Marc, d'article 60. Donc bien évidemment, lorsque... Pardon. Ça veut dire que 2022, 2021, on a subi la crise du Covid et on a vraiment repris des articles 60 à partir du premier trimestre 2022, après le premier trimestre 2022. Voilà, donc on a eu également cette diminution de recettes liée à la mise au travail des articles 60 au sein du CPS. C'est un peu les trois raisons pour lesquelles on a une diminution de recettes pour cette année. Ok ? Pour terminer, sur la situation des fonds de réserve, donc on voit que le fonds de réserve ordinaire à la date du 31/12 est de 273 859. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il est plus ou moins de 40 495 euros. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, pour le budget 2023, nous avons utilisé une grande partie de notre fonds de réserve ordinaire pour justement avoir des recettes complémentaires sur notre budget. En termes de fonds de réserve extraordinaires, on voit quoi ? On voit qu'en 2022, on avait un solde initial de 81 000 euros. Nous ne sommes pas venus l'alimenter. On a eu une utilisation de 5 988 euros pour avoir un solde final de 75 872. À l'extraordinaire, pour le CPS, nous avons fait qu'un et un seul projet. On a aménagé de nouvelles armoires au sein du centre administratif du CPS. Et actuellement, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y ait de l'ordre de 65 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, nous avons prévu 10 000 euros pour, pas la rénovation, mais pour l'entretien des différents bâtiments du CPS. Donc on est également de l'ordre de 65 872. Et comme vous l'avez vu au départ, il y avait une dépense de prélèvement. Donc la dépense de prélèvement, vous voyez, provision pour risque et charge, c'est une provision pour risque et charge. On est venu l'alimenter cette année à hauteur de 20 000 euros. Et en termes de solde, au 31/12, elle est toujours de 20 000 euros. Okay ? Donc ces provisions sont toujours là également. Voilà, voilà pour le compte du CPS en 2022. Merci.
Ce que je peux dire, c'est que ce boni sera injecté entièrement dans le budget 2023, dans lequel on n'a prévu aucun montant dans le budget initial. Donc c'est les 314 314 qui seront entièrement injectés. Et on a encore une réserve de 40 000 euros dans le fonds ordinaire. Donc ça veut dire qu'actuellement, on part pour le budget 2024 avec un fonds de réserve de 350 000 euros. Y a-t-il des questions ? Je suis bloqué. Oui. La provision pour risque et charge, pourquoi ? Et en cas de, on a actuellement effectivement un litige avec un membre du personnel, c'est au cas où ce litige incomberait un remboursement. Pour l'instant, on n'en est nulle part. Donc, comme on avait les moyens financiers de pouvoir provisionner, on a provisionné 20 000 euros. Ok. J'ai condensé quand même mes questions parce que donc il y avait aides diverses, fonds Covid, SPP, 44 764 mis en crédit sans emploi. Pourquoi ? C'est des subsides restants du fonds Covid qui n'ont pas été utilisés, je pense. Okay. C'est ça. D'accord. Parce que les fonds Covid ont continué jusqu'au certains fonds Covid ont continué jusqu'au premier trimestre 2022, au 31 mars 2022. D'accord. On a des RIS. Apparemment qui sont prélevés et on spécifie sans-abri. On a des sans-abri à Bruneau ? C'est-à-dire que on appelle sans-abri, ce sont des gens qui avaient comme statut au départ de sans-abri, qui n'avaient pas de logement, et quand les étrangers, notamment aussi, qui quand ils reçoivent un RIS, sont considérés comme sans-abri et remboursables à 100%. Ah oui, d'accord. Durant une jusqu'au période moment définie. Où ils reçoivent le statut et après ils passent dans l'autre catégorie, ouais, alors. C'est ça. Okay. Quand ils sont reconnus okay. au séjour. Et alors, dans la réinsertion professionnelle, on budgétise 155 000 euros, mais on en a plus de 17 132. Je trouve que l'écart est énorme. C'est combien, tu dis ? 155 000. C'est vrai que, en fait, avec la Covid qu'il y a eu, c'est que toute la réinsertion avait été mise à mal. Hein, et que les articles 60, on n'arrivait plus à mettre des articles 60 dans les entreprises suite au Covid. Mais si je peux déjà vous dire que cette année-ci, on est déjà actuellement à 3 articles 60 et un emploi en cadre de l'économie sociale. Donc on reprend un petit peu le rythme de croisière. Mais c'est vrai que la Covid a mis à mal jusqu'au premier trimestre 2022 l'ensemble de la réinsertion. D'accord. Et c'est en rapport avec le montant qu'on reçoit de l'autre côté ? Parce que c'est une subvention qu'on reçoit. Il y a aussi une subvention qu'on reçoit au niveau des articles 60, concernant notamment le nombre de jours prestés en article 60 qui intervient, et le remboursement du RIS aussi qui intervient. Okay. Ok, d'accord. Ça va. Et alors, juste une petite chose aussi, c'est les frais de correspondance. On budgétisait 5 600 euros, il y a 150,59 euros. Non. C'était déjà venu sur le tapis au niveau. Et qu'en est-il alors ? En fait, c'est toujours la commune qui prend en charge actuellement, faute de convention. C'est la commune qui prend en charge les frais postaux actuellement. Et ça pose pas de problème, enfin que. Excuse-moi, Marc. Ouais, vas-y. Normalement, enfin, on a effectivement regardé quelles étaient les différentes dépenses du CPS et effectivement les dépenses de la commune. Étant donné qu'il n'y avait pas une grande différence entre les deux, on a préféré, sauf si je me trompe, de laisser ainsi pour le moment. Et en plus, pourquoi ? Parce qu'on avait un peu de difficulté à quantifier la chose actuellement. Grosso modo. On a besoin un petit peu de l'année certainement 2023 pour quantifier le nombre de courriers envoyés tant pour le CPS que pour la commune pour pouvoir mettre une convention en place avec un pourcentage réel et non lunaire. Et la solution qui a été proposée par François n'a pas été exploitée ? De mettre en place un marché C'est-à-dire que distinct, le système de code-barre, voire avec la poste... Ouais, après, comme Nathalie mentionne... Maintenant, on est dans la même caisse hein, actuellement. Donc, si on met des frais supplémentaires, effectivement, on augmente notre part communale. Donc, c'est un peu de l'argent qui tourne aussi. Donc, la commune qui paie actuellement les frais du CPS ou les mettre dans le budget et augmenter la part communale, on arrive toujours au même montant. C'est ça. C'est la même caisse, indirectement. Oui, mais la compta demande une rigueur. Et donc, c'est important de savoir...
chaque poste, qu'est-ce qui est dépensé au CPAS et qu'est-ce qui est dépensé au niveau de la commune. Il y a des synergies à adopter, ça figurera dans le rapport que vous allez voir à la fin de l'année, tout comme parfois le partage des ressources humaines, on en a plusieurs. Donc, comme c'est nous qui avons fait le marché, comme dans d'autres exemples, tels que l'échec repas, le CPS est un faible consommateur de frais d'affranchissement par rapport à nous. Donc, aller s'amuser à inventorier ou à quantifier le peu, ça fera partie de nos synergies que l'on déclarera au dernier conseil du mois de décembre. Ok, merci. D'autres questions ? Moi, j'en ai une. De manière générale, moi, j'entends quand même que le service des aides ménagères n'est pas régulier dans le sens où il y a pas mal d'absences ou des personnes qui ont des longues semaines sans avoir quelqu'un. Et par rapport au budget prévisionnel, en tout cas pour 2023 et tout ce qui peut être porté en 2023, je me demandais si le CPS ne pourrait pas s'offrir le luxe d'engager un peu. C'est pas la question de se faire le luxe d'engager, c'est de trouver des personnes pour recruter et engager. On est con. Si vous avez des gens qui veulent travailler et faire du nettoyage, vous pouvez nous les envoyer parce qu'actuellement, on ne sait plus recruter. Ouais. On ne trouve personne. Et donc, il faudrait peut-être, faire une opération publicitaire, engagement. Enfin, voilà. Moi, j'entends quand même pas mal de personnes âgées qui, ouais, je sais bien, qui sont dans l'embarras. Ils sont dans l'embarras parce que je comprends très bien qu'une prestation d'une semaine en moins, ça reporte de 15 jours ou d'un mois parfois. Mais on est dans la grosse difficulté de ne pas savoir engager actuellement au niveau aide ménagère. On a beau lancer, je crois que c'est le problème, il est partout actuellement. Mm-hmm. Au niveau aide ménagère, c'est la grosse difficulté. Donc si vous connaissez des gens qui sont prêts à venir travailler, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et on ne pourrait pas avoir des accords avec la Miroapi, essayer de lancer des formations d'aide ménagère, quoi. On a des formations. Toutes les aides ménagères actuellement sont formées comme en titre service. Elles sont des formations. Dès qu'elles sont engagées, elles sont formées. Elles sont formées aux produits d'entretien, à l'hygiène et autres. Mais tout d'abord, il faut trouver les candidats. Mais bon, je pense qu'il faut affirmer ce manque parce que je suis pas sûr que la population... Et quand on contacte d'autres services tels que l'ADMR, tout ça aussi, ils sont confrontés aux mêmes difficultés que nous, c'est de pouvoir recruter. Ouais. Alors n'hésitez pas. Je pense que c'est le moment de le faire savoir ou utiliser le bulletin communal. Et je comprends que c'est pénalisant pour les personnes utilisateurs, ça c'est un fait. C'est ça. Bon. Voilà. C'est la même chose malgré les appels à candidature dans notre service ouvrier. Dès qu'il y a des malades ou des blessés, mais c'est de la croix et la bannière pour recruter. Voilà. Qui est pour ce compte du CPAS pour l'exercice 2022 ? Unanimité ? Je vous remercie. Je remercie également Osimer, que je t'en prie. Peut-être même à remercier notre directeur financier pour cette présentation qui, avant, je l'effectuais moi-même, maintenant, c'est le directeur financier qui le fait. Ah oui, j'espère qu'il va faire la même chose avec le budget, la modification au budget communal. Voilà, le point suivant, c'est justement la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire de... Notre budget 2023, c'est la modification budgétaire numéro 2 qui est assez restreinte et laconique. Je vous dirais que notre résultat à l'ordinaire présente un boni de 498 981 à l'exercice propre et un résultat budgétaire positif de 421 318 pour l'exercice en général. Alors cette modification budgétaire, c'était essentiellement des ajustements. Peut-être un petit mot, monsieur. Allez-y, en profiter.
Je vais me baser sur mon avis de légalité parce que c'est vrai que je trouve que... Enfin, non, soit. D'abord sur le service ordinaire, donc au niveau des dépenses. Donc il faut savoir, sur l'exercice antérieur, au niveau des dépenses, on a trois majorations de différents montants. Un petit montant de 91,26 € pour les biens immobiliers, pour les assurances des biens immobiliers. On a également des fournitures pour la plaine de jeu de 227,50 €. On a une petite augmentation de 100 € pour les stages d'hiver. Comme l'a expliqué Pierre, au niveau de l'exercice propre, sur les dépenses également. Donc les dépenses de personnel, on a adapté un petit peu la situation suite à la régularisation du pécule de vacances. Donc c'est vrai que sur certains postes, il manquait de l'argent. Donc comme on a payé les pécules de vacances, il faut rectifier le tir. Et deuxièmement, donc c'était plus ou moins 27 485 €. Et en termes de primes d'assurance sur les accidents de travail, on a également rajouté de l'argent à hauteur de 13 000 € sur les dépenses de personnel. Ensuite, sur les dépenses de fonctionnement, on va avoir une majoration de l'ordre de 38 300 €. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver 2 500 € pour le précompte immobilier, on va retrouver 1 800 € pour les assurances diverses, on va retrouver 3 000 € pour les frais de gestion et fonctionnement de l'informatique, que je vais expliquer directement, 12 000 € pour la prestation de tiers pour la voirie, 2 000 € pour les frais de personnel et 17 000 € pour les frais de transport, voyage scolaire et excursion. Ensuite, en termes de dépenses de transfert, étant donné qu'on a reçu un courrier de nos télés comme quoi le montant allait un petit peu augmenter, donc on a rajouté 3 438 € pour la subvention de nos télés. Donc nous passons d'un montant de 32 188 à un montant de 35 626. Et en dernier, on a une dépense de prélèvement. Pourquoi une dépense de prélèvement ? On a prélevé 64 503 sur l'exercice propre pour venir financer notre fonds de réserve extraordinaire qui nous permet justement prévoir deux dépenses au service extraordinaire. Pourquoi je vous ai mentionné, je vais revenir sur les dépenses de fonctionnement. Il faut savoir qu'on a une volonté d'améliorer certains outils informatiques de la commune. Donc au niveau des délibérations, sauf erreur ma part, Nathalie me contrera ou pas, il y a le décret de transparence qui est bientôt là. Donc on va faire appel justement au service à l'intercommunal de chez IMIO. On a des coûts à l'extraordinaire, mais les coûts principaux sont à l'ordinaire. Donc ça, c'est la partie pour Nathalie. Donc tout ce qui est en lien avec les délibérations, avec la publication en ligne, les PV et ce genre de choses. Donc tout se fera automatiquement au sein de la commune. Et deuxièmement, et vous êtes sans le savoir, nous avons repris les stages en 2023 au niveau de la commune. Nous avons également un accueil extrascolaire qui commence vraiment à devenir conséquent au niveau administratif. Et donc on a pris la décision de regrouper les stages et l'accueil extrascolaire sous un outil informatique qui sera également pris chez IMIO pour faciliter justement le lien entre les stages, l'extrascolaire et surtout la comptabilité. Donc voilà un petit peu les explications pour les différentes dépenses au niveau de l'ordinaire. Et service extraordinaire, il y a deux choses à savoir. Comme je vous l'ai expliqué, on est venu augmenter notre fonds de réserve de 64 503 en faisant un prélèvement sur l'ordinaire. Pourquoi ? Pour deux dépenses. Donc on a rajouté 30 000 € pour l'entretien extra de la voirie et également 34 500 € pour l'achat du terrain de bassin de rétention, sauf si je me trompe. Et comme je vous l'ai expliqué, il faut savoir que pour justement profiter des deux systèmes mis en place par l'intercommunal IMIO, on est dans l'obligation de prendre une part sociale qui est de l'ordre de 3,71 € de part sociale. Et donc, en dernier, dépenses d'investissement, on a également... je l'ai déjà mentionné. Sur les dépenses de dette, 3,71 € également. Et en conclusion, comme Pierre l'a mentionné, on est au service ordinaire à 421 318 et à l'extraordinaire à 70 670. Voilà, voilà. Merci David. Avez-vous des questions ? Oui, Nadia ? Alors, il y avait 12 000 € pour des prestations tiers pour entretien de voirie. Ça correspond à quoi ? 12 000 € pour... C'est ce que tu viens de citer, David, mais je suppose que c'est le collège qui... 30 000
12 000 non, alors, dans les dépenses de fonctionnement. 12 000 dans les dépenses de fonctionnement. Ah, au 421 14006. C'est des prestations de tiers de voirie. Ah, c'est tout. Non, c'est pour le marché suite à la balayeuse. Ah, oui, oui. C'est pour les filets d'eau. C'est pour. Comme on n'a pas de balayeuse. Oui, comme on n'a plus de balayeuse, bah, on a fait un marché justement pour avoir un service de balayage dans les différentes rues. Et donc, c'est ce montant de 12 000 euros supplémentaires qui est à l'ordinaire. Voilà, d'accord. C'est ça. OK. Et les 17 000 euros pour les frais de transport, voyage, excursion et piscine ? C'est une augmentation des frais de transport décidés par le collège. Pourquoi ? Parce que le mazout coûte plus cher. C'était en partie pour éventuellement Il y a une réflexion qui est menée peut-être pour la piscine ou des choses pareilles. Et donc, on a toujours prévu en partie de l'argent sans savoir si on saura effectivement aboutir à nos. La possibilité de faire ça. Donc pour 2020, l'entrée scolaire 2023-2024, on pourrait espérer que, donc, pourrait que les élèves pourraient aller à la piscine. Oui. OK. Et donc des discussions s'opèrent actuellement avec des prestataires, je suppose ? Un prestataire privé. D'accord. Sur l'entité voisine ? Oui. OK. Merci. C'est très bien. Nous sommes ravis de voir que. Autre chose, il y avait 3500 euros d'achat terrain pour le bassin de rétention à Rongy et on passe à 34 500 euros. Pourquoi cette augmentation ? C'est lié, donc c'est effectivement le bassin de rétention et donc c'est le prix qu'on avait reçu du comité d'acquisition en début d'année. D'accord. Pour l'achat des deux terrains. Il y a deux terrains. Les 3500 il y a deux. Ou les 30... Mais on avait mis 3500 parce qu'on ignorait effectivement le montant. Voilà. Okay. Le montant. Maintenant, le montant a été fixé pour l'entièreté des parcelles. Alors, c'est en discussion avec les deux propriétaires, en tout cas un des deux propriétaires, mais on ne va pas acheter nécessairement toute la parcelle. Donc ici, l'estimation qu'on a reçue, c'était pour toute la parcelle. Donc on a préféré mettre la somme fixée par le comité d'acquisition pour être certain que ce soit en ordre. OK, d'accord, merci. Et alors, moi, je veux une explication par rapport au... En tout cas, nous voulons une explication par rapport aux réserves. On ne comprend plus. Je vous avoue qu'on ne comprend plus, donc on aimerait bien avoir une explication, puisqu'on a lu les différents documents. Et donc, si on comprend bien... Est-ce que, on a vu le tableau ? Oui, oui, oui. Bien, au fait, c'est pas la question, une question de problème forcément, enfin, j'espère. C'est-à-dire que, donc, si je comprends bien ce tableau quand on le voit, oui. Le fonds de réserve extraordinaire pic 2013-2016, on a 5206, 2017-2018, 32 euros. Plus rien en 2022-2024. Non, c'est le seul. Alors, est-ce que tu sais me dire où je peux retrouver les montants ? Si tu regardes la première colonne, qui est pic 2013-2016, le montant initial était de 449 868. C'est où ça ? Attends. Juste là. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. En fait, c'est des petits reliquats non utilisés tout simplement. Bien évidemment, il faudra nettoyer et les remettre en fonds de réserve en totalité et non plus sur un fonds de réserve particulier. Mais c'est-à-dire que le solde à la clôture. Prenons l'exemple de la première ligne, donc le fonds de réserve PIC pour l'année 2013 jusqu'à 2016. On a reçu un montant initial de 449 868. Okay. Donc, en termes de droits constatés dans la comptabilité, nous avons comptabilisé 449 868. D'accord. Lorsqu'on a un projet particulier qui est en lien avec le fonds de réserve PIC, que ce soit 2013-2016 ou comme par exemple 2022-2024, on a un article
on a un article budgétaire spécifique pour venir retirer l'argent sur ce fonds de réserve. Oui. Donc imaginons que là, il y a l'entrée, le Rue de Fourne, prenons l'exemple Rue de Fourne, bon, on va utiliser une partie soit du PIC ou soit du PIMACI ou ce genre de choses. Et donc on vient toujours effectivement ponctionner du montant. Et les résultats que tu vois en solde présumé à la clôture de l'exercice, ça c'est vraiment ce qui reste en termes de reliquat. D'accord, c'est pas ce qu'il y a dans la réserve alors. Si, c'est ce qu'il y a dans la réserve en termes de free, 2013-2016, montant initial 449 000 euros. On est venu finalement pratiquement utiliser 445 000 euros depuis 2013, donc depuis 10 ans, un solde restant dû de 5206. Et si on fait le total en termes de fonds de réserve, donc les fonds de réserve particuliers plus le fonds de réserve extraordinaire, on est à un montant de 955 771,93. Donc c'est la dernière case tout à droite du premier tableau. Et donc le fonds de réserve extraordinaire guillemets, c'est 689 522. Exactement. Je viendrai voir parce que moi ces chiffres, je ne les retrouve pas. J'ai vérifié avec ce qui nous était transmis, notamment de la tutelle. Et je suis désolée, mais je ne m'explique pas ces chiffres. Et donc, du coup, j'aimerais avoir une explication parce que je ne les retrouve pas. Pas de problème. Donc, je viendrai te voir. Je suis la porte grande ouverte. Et pour information, la semaine passée, la tutelle est venue effectivement regarder le compte comme chaque année. Nous avons regardé les fonds de réserve parce qu'il y avait différentes questions sur les années précédentes. On a répondu qu'un jour, donc ils ont envoyé un mail en demandant différentes questions. On a répondu, malheureusement, c'était sur des comptes de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Malheureusement, pas 2022, j'aurais bien aimé, comme ça j'étais au courant de la situation. Après moult recherches, on a quand même trouvé les différentes réponses qu'on a envoyées à la tutelle. La tutelle est venue la semaine dernière vérifier finalement par rapport à toutes ces réponses et toutes ces interrogations. On a revérifié une seconde fois quelle était la situation des fonds de réserve. Et finalement, tout s'est arrangé étant donné que les fonds de réserve sont corrects. Et il s'agissait de M. Cordonnier, qui est tout de même un des patrons de la comptabilité de la région wallonne. Et je pense qu'il a même félicité David pour sa précision dans ses comptes. Et donc moi, ce que je propose simplement, c'est qu'il y ait une commission des finances et que l'on mette ce point... pour clarifier et apaiser toutes les suspicions, à l'ordre du jour de cette commission des finances. Monsieur le Bourgmestre, j'allais vous le proposer parce que quand on voit le document de la tutelle, le fonds de réserve extraordinaire après la MB1 est à 385 908. Et donc moi, j'aimerais... je ne sais pas. On regardera prochaine commission des finances. Les explications sont très claires. Elles sont cautionnées par la région wallonne. Donc moi, je ne sais pas. Y a-t-il d'autres remarques concernant cette modification budgétaire, Pierre? C'est sur 17 000 euros, mais voilà. Ah ben voilà. D'autres remarques? Moi, je veux juste justifier notre vote. Voilà. Alors, cette MB2, en soi, elle ne doit pas être problématique, puisqu'on y enregistre quelques ajustements dans le service ordinaire et 3 ajouts au niveau du service extraordinaire. Cependant, je suis contente de vous l'entendre dire, il aurait été quand même intéressant de faire une commission des finances pour avoir des explications pour les conseillers que nous sommes. Effectivement, c'est l'imbroglio. Budget 2023, réformé. MB1, réformé. Monsieur le Bourgmestre, nous n'avons pas la même lecture. Moi, la lecture du document, il n'est pas marqué « approuvé », mais il est bien marqué « réformé ». Pour les comptes, on attend l'approbation de la tutelle, on vient de l'entendre. Enfin, en tout cas, elle est venue, mais le document, je l'ai demandé, je ne l'ai pas eu. Moi, je trouve que des explications sont quand même nécessaires. Donc, que fait la commission budgétaire? On est d'accord, on a un nouveau directeur financier, nous le comprenons bien. Et ce n'est pas à lui qu'on impute quoi que ce soit, mais ne doit-il pas être soutenu par les plus expérimentés et par le collège? On a un échevin des finances qui est là depuis plus de 20 ans. Que fait-il?
À plusieurs reprises, les chiffres sont incorrects. La présentation des comptes que nous avons eue la dernière fois, les chiffres étaient incorrects. Nos approbations sont réformées. Il manque des documents. On a failli approuver un bilan et un compte de résultat sans avoir les documents. Le collège regarde quand même ces documents. Ils y sont approuvés avant d'arriver sur cette table. Ce dernier est responsable devant cette assemblée de la tenue de la comptabilité et de la communication qu'il opère à ce conseil communal. Des ministres doivent rendre des comptes pour moins que ça au Parlement. Alors, nous voulons savoir ce qui se fait au niveau du contrôle interne quant à la vérification de notre compta, quant au contrôle qui s'opère avant approbation par ces conseils communaux, ce conseil communal, ces conseillers communaux. Et nous vous invitons à relire la délibération, qui pose également question, puisqu'on y évoque la MB1. Nous sommes en MB2. Et nous demandons une transmission systématique des courriers de la tutelle concernant les décisions prises par ce conseil communal. Vous faites face à plusieurs recours, réformations, et nous ne recevons jamais les communications. Vous ne les communiquez ici en n'étant pas très clair, puisque j'en ai donné un exemple, mais vous, vous appellerez cela de la transparence. Alors, entendons-nous bien, nous approuvons cet MB2, car pour nous, dans les chiffres, il ne devrait rien avoir de problématique, et nous espérons que cela n'est pas le cas. Merci. C'est très bien, c'est une belle rhétorique que la vôtre, mais je pense que... Oui, certainement, mais je pense simplement que... sur quelques centaines, voire milliers de chiffres, lorsque un chiffre est simplement changé, on appelle ça une réforme, c'est le terme légal, par la tutelle. Moi, je ne peux que féliciter notre ancien directeur financier qui jouait avec tous ces chiffres, mais aussi notre nouveau directeur financier qui, quelque part, après contrôle, justement après contrôle, se trouve valorisé dans son travail et plébiscité dans son travail. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez, si ce n'est faire du sophisme, de la rhétorique. Madame voulons la directrice, juste avoir non, confiance s'il vous plaît, aux chiffres s'il qui vous sont transmis je vous ai pas au donné Conseil la parole. Communal. J'ai donné la parole à la directrice générale. Moi, je voudrais intervenir parce qu'on reparle de contrôle interne, on remet en doute le contrôle interne. Il vous faut savoir que notre directeur financier a été désigné d'une manière contractuelle puisque l'ancien directeur financier n'a pas remis sa démission. Quand on rentre en stage, on a une commission d'évaluation qui suit pendant la durée du stage le directeur financier en stage. D'initiative, sur ma proposition, le collège a mis en route une commission de stage alors qu'elle n'était pas obligatoire, justement pour entourer David avec des experts. Je suis désolée, mais tout ça a été fait avant que vous ne le dites. Merci. Voilà, y a-t-il d'autres remarques? Je peux passer au vote. D'abord le service ordinaire de cette MB qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Le service extraordinaire qui est pour. Unanimité. Je vous remercie. Voilà. Tant de palabres pour rien. Alors, le point suivant, il s'agit de la pose de préau à l'école de Guigny. C'est le cahier spécial des charges avec le mode de passation de marché. Monsieur Légevin. Oui, donc c'est pour la pose de deux préaux à l'école primaire de Guigny. C'est un projet qui mûrit depuis longtemps. Et donc ici, c'est simplement le cahier de charge pour faire l'installation dont l'estimation est de 30 000 euros. Je ne sais pas si je dois répondre à une question ou l'autre. Une question ? Oui, Michel. Oui. Disons que ce dossier d'école à Guigny, ça fait des années qu'on en parle. À chaque fois que ça vient sur la table du conseil communal, tout le temps des dépenses supplémentaires. Moi, je me demande pourquoi on a saucissonné le dossier des écoles. Je ne crois pas que ce soit vraiment bien légal de saucissonner des dossiers pareils. Bon, j'aurais voulu avoir l'explication pourquoi on n'a pas prévu ça au départ et savoir exactement combien vont nous coûter ces écoles quand elles seront terminées. Avoir un chiffre bien clair et bien définitif.
Donc, effectivement, donc l'école de mémoire, l'aménagement de l'école de primaire hein, a été fait il y a 6 ans, à peu près 6 ou 7 ans. Hein. Donc, c'était une rénovation qu'on faisait, on lançait l'école d'immersion, et à l'époque, tout simplement, avec un préau, on en avait assez. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le succès de l'école de Guigny fait qu'effectivement, notamment pour l'école primaire, il fallait refaire 2 préaux supplémentaires, tout simplement dans le même style de ce qui existe aujourd'hui. Et très honnêtement, il y a 6 ou 7 ans, où, quand on a eu les subsides effectivement pour faire cette école en haut, on avait fait 1 préau, parce qu'il faut savoir que quand on a les subsides, tout est toujours lié au nombre d'élèves qui sont effectivement inscrits. Et à l'époque, on tournait aux alentours de 25-30 élèves à l'école de Guigny primaire. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va monter facilement à 100 élèves. Aujourd'hui, dans l'école de Guigny, hein, puisqu'on est plus de 50 en maternelle, ce qui fait que quelque part, bah, il faut toujours doubler ce que l'on a en maternelle pour avoir une estimation du nombre d'élèves en primaire. Et donc on va passer effectivement de 30 enfants à plus de 100. Et donc la nécessité aujourd'hui effectivement de faire ces préaux. Par contre, ce que je veux bien faire, même si c'est un délai, parce que c'est tout un honneur, je pense, pour le groupe à l'époque, et ça n'a jamais été remis en compte, c'est le coût de l'ensemble des travaux faits dans toute l'entité. Hein. Puisqu'on a démarré, les premiers gros travaux ont démarré à Bléhari, La Plaigne, on a fait Olin, enfin, je veux bien vous le donner, et ce sera 7, 8, 10 millions d'euros d'investissement, très certainement, naturellement, avec un subside qui, à l'époque, est toujours très conséquent, un subside de 90% à l'époque, puisque on avait eu la chance de rentrer chaque fois dans ce qu'on appelait les PPT, donc les plan prioritaire de travaux qui nous permettait d'avoir des subsides très conséquents. Et donc, si effectivement on a pu avoir 10 millions de subsides pour faire l'ensemble des bâtiments, pour la commune, ça représentait 1 million d'euros d'investissement, ce qui est absolument magnifique. Enfin, pour moi. Et je ne regrette certainement pas les travaux qu'on a fait dans toutes nos écoles. Non, d'ailleurs, je crois que l'opposition a souvent voté, parce que toujours voté pour tous ces travaux. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on prévoit des agrandissements tels que c'est fait à Guigny, c'est très bien. Mais si on prévoit des agrandissements, on prévoit les préaux en fonction des agrandissements. Donc on fait les agrandissements, puis les préaux. Et on dit, ben oui, il y a des élèves. Ben oui, on fait des agrandissements parce qu'il y a des élèves. Donc il faut prévoir. Et alors, moi, je dis, on appelle ça saucissonner. Et je crois que ce n'est pas tout à fait fort. C'est pas, pour moi, ce n'est pas légal du tout de saucissonner des dossiers pareils. Donc, je répète le délai entre le moment où on a eu les subsides pour l'école de Guigny et maintenant, on est à 6-7 ans, au moins. Et je rappelle que les subsides sont toujours liés au nombre d'élèves. À l'époque, on n'avait que 30 élèves à l'école de Guigny et je ne pouvais pas demander des préaux pour 100, 120 personnes. Ça a toujours été le cas de tous nos calculs très compliqué quand on a les subsides. Hein. Un enfant est égal à X mètres carrés de préau, à X mètres carrés de surface. Hein. Et c'est pour ça qu'on a, à l'époque même, globalisé l'ensemble des maternelles et primaires pour obtenir un maximum de subsides, puisque les travaux de mémoire sur Guigny étaient de 500 000 euros pour la création de tout l'étage avec les 3 classes supplémentaires. Mais on ne pouvait pas prévoir ça. J'étais pas devin, même si on espérait que l'école marche bien avec l'immersion. Bon, on n'est pas devin et on ne peut pas le prévoir. Et venir dire que rajouter des préaux 7-8 ans après, c'est saucissonner un marché. Alors, je pense que dans les routes, on ne fait que ça. Hein. Tous les ans, on fait des routes un peu partout. Et on fait ça en fonction de nos moyens, hein, s'il vous plaît. Merci. D'autres remarques? Oui. Moi, j'avais juste une question. Donc, ces 2 préaux... Donc, un en haut, un en bas ou... Les 2 en haut. Ok, merci. Merci. Puis-je passer au vote? Qui est pour ce cahier spécial des charges? Unanimité, merci. Le mode de passation de marché, Nathalie. Procédure négociée. Oui, j'avais donné l'estimation 30 000 euros et procédure négociée sans publicité. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie.
Assemblée générale de Sénéo, donc ça, ce sont encore... Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Oh, oui. Travaux d'amélioration de l'égouttage et de la voirie, la rue de Saint, ainsi que des parties de rue adjacentes. La phase 2, cahier spécial des charges. Donc on a eu une commission de travaux hein, qui a vraiment expliqué l'ensemble des travaux qu'on va réaliser dans cette phase 2. C'est tout simplement la prolongation de ce que l'on fait actuellement. Je ne pense pas qu'on va recommencer. Voilà, c'est la même teneur de travaux. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les montants estimés, donc, le montant estimé s'élève à 510 000 hors TVA. Question. Voilà, je ne sais pas si je dois répondre. Oui. Ouais, c'est pas vraiment des questions, c'est juste que nous, donc on va bien entendu voter pour ce point hein, qui représente des travaux qui sont attendus depuis longtemps par les riverains de la rue. On a juste deux petits bémols auxquels il faudra quand même veiller, faire attention. Le premier, c'est sur les parkings. On en a parlé en commission parce que, oui, place de parking sur l'ensemble du tronçon, je trouve que c'est quand même un peu peu, même si effectivement il y a beaucoup de maisons qui sont en retrait de la voirie et qui ont la possibilité de parquer des véhicules, mais quand même pas énormément. Donc je pense par exemple s'il y a une fête dans le voisinage, le risque c'est que les voitures se garent sur la piste cyclable et donc elles perdent tout son sens, quoi. Voilà. Surtout si c'est au milieu de la rue, bah, si les gens veulent se garer beaucoup plus loin, je pense qu'il y a quand même pas mal de centaines, de mètres à faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que je pense qu'il faudra vite quand même prévoir un aménagement en aval entre le Pertuis et la Grande Ruisselle, parce que ça risque de devenir rapidement un égout à ciel ouvert. Je suis allé voir, une fois que ce sera vraiment... Je suppose que c'est déjà utilisé, puisque c'est raccordé aux premières maisons. Ouais. Et donc, il y a quand même, je sais pas, il y a combien de mètres là entre les deux, il y a une trentaine de mètres entre le Pertuis et l'embouchure du Pertuis et la Grande Ruisselle. Il y a quand même à ciel ouvert là une... Bah, à peu près, oui, c'est un fossé hein, qui fait oui. À peu près 70 mètres, oui, quelque chose comme ça, un peu plus que 30 mètres. Mais enfin, effectivement, aujourd'hui, la conception... Donc, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'écoulement dans cette rue avant. Effectivement, tout allait par absorption. Et tous les désagréments liés avec, hein, c'est pour ça qu'on a fait ce pertuis, en sachant que, quand tu parles de ça, donc effectivement, on croise à un certain moment la digue, qui va être c'est là où va se positionner le futur collecteur d'eau usée que Ipal va installer pour la reprise, avant d'aller naturellement dans la Grande Ruisselle. Alors les projets avancent du côté d'Ipal hein, concernant ça, puisqu'on parle effectivement, en tout cas on commencera par la plaine, mais une station d'épuration et les travaux sur la plaine d'ici 5-6 ans. Quoi, hein, ce qui est une, La station d'épuration ouais. Ah oui. Enfin en tout cas je demanderai peut-être à Pierre de confirmer, mais voilà c'est vraiment dans les cartons puisque les études se font. Par rapport à ça, et notamment la recherche, et en tout cas pour le travail des postes de collecteurs. Donc, voilà, on est dans les prémices. Mais effectivement, malheureusement, entre maintenant et dans 5 ans, effectivement, toutes les eaux de la rue Saint vont se retrouver dans la Grande Ruisselle. Comme c'est déjà aujourd'hui le cas du chemin du flux hein, qui se jette dedans, ou la rue du village. Hein, c'est la même chose aussi, la Grande Ruisselle. Et aujourd'hui, un collecteur à ciel ouvert d'eau usée. Ça, j'en suis conscient. Ok. Merci. En ce qui concerne les stations d'épuration, la station d'épuration, la SPGE a mis en projet prioritaire la collecte de la plaigne et la station d'épuration, et dans un deuxième temps, Bléhari et Rongy. Alors, en ce qui concerne les études, effectivement, il y a déjà plus de 600 000 euros qui ont été engagés pour les études. Dans un premier temps, je baisse les délais pour la plaigne à 3 ans et pour Bléhari et Rongy, comme Daniel disait, à 6 ans ou 7 ans, en sachant que Ipal est l'opérateur et que les financements viennent de la société publique de gestion de l'eau, la SPGE, au niveau wallon.
Alors l'idée, c'est simplement de faire une seule station d'épuration qui serait située à Bléhari, donc de l'autre côté de l'Escaut, aux alentours de la rue Clodomir-Bouvigny, et les collecteurs sur la plaine. Ça, ce serait la première phase de travaux. Et dans une deuxième phase, il y aurait la collecte de Rongy et de Bléhari qui viendrait se collecter vers la station d'épuration. Voilà un petit peu les projets. Maintenant, sont des travaux de longue haleine. Et c'est vrai que tout est sur les tables de dessin et les calculs. Donc voilà, maintenant, attendons. Les financements sont prévus. Et voilà. Dès qu'on aura des décisions à prendre, elles seront prises. Mais écologiquement, c'est naturellement un pas énorme que l'on ferait pour la partie non collectée de l'entité de Bruneau. Voilà. Moi, j'ai juste une remarque. Je remercie François d'avoir synthétisé mes remarques et mes inquiétudes faites en off en commission et de les dire publiquement. Je te remercie, François. Tu peux prendre la parole, hein, Muriel, t'as jamais empêché. Tu sais, les parkings, on l'a vu aussi que ça posait problème. Et donc, je te remercie aussi de me laisser la parole. Je ne suis pas le président de cette assemblée, moi. Alors, je vais rassurer pour la protection de la piste cyclable concernant ça. Effectivement, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une haie qui sépare la piste cyclable de la route, ce qui fait que ce sera impossible pour une voiture de manger la piste cyclable en se garant mal, quoi, hein, déjà ça. Pour le reste, effectivement, on est parti vers, et ça a été une discussion préalable avec l'ensemble des riverains pour présenter un peu le dossier, enfin en tout cas le projet à l'époque. C'était une volonté, je l'ai dit, hein, de faire des trottoirs d'abord, la piste cyclable, et de travailler en sens unique de façon à réduire à 3 mètres l'espace, hein, puisque c'est ce qui est réalisé, en sachant qu'effectivement la plupart des maisons qui sont là sont des maisons 4 façades avec des reculs importants permettant aux personnes de se garer facilement chez eux. Voilà. Merci. Merci. Voilà, je vous propose de passer au vote concernant ces travaux d'amélioration de l'égouttage de la rue de Saint, égouttage et voirie, phase 2, qui est pour le cahier spécial des charges, tel que montré. Unanimité. Je vous remercie. Le mode de passation de marché, Daniel. Procédure ouverte. Qui est pour? Je vous remercie. On passe aux assemblées générales d'intercom. Au revoir David, un grand merci à toi. On passe aux assemblées générales de Cénéo et Ygretec. Cénéo, donc l'assemblée générale qui a lieu le 23 du 6. Est-ce que vous avez des remarques concernant cette intercommunale et cette assemblée générale ordinaire naturellement? Qui est pour? On aimerait dissocier notre vote, donc c'est si je peux demander après. Donc en fait, pour les deux prises de participation, je pense que c'est le point F et G. On s'abstient. Ces intercommunales créent partout des prises de participation. Enfin, ça devient, je pense qu'on ne tire pas de conséquences des leçons du passé. Pas de souci. Qui vote pour tous les points? Qui est pour? Merci. Qui est pour les points sauf FG? Donc, si j'ai bien compris, deux votes pour et F et G. Vous votez contre ou? Et abstention pour F et G, c'est-à-dire les prises de participation Transnéo et Néoal. Transnéo, pardon, et Néoal. Alors, le vote suivant, il s'agit d'Ygretec. Question? Oui. Et donc on est dans le même principe pour le point GH. On s'abstient. Ok, donc abstention, unanimité, qui est pour? Unanimité pour tous les points sauf GH où il y a deux abstentions, Nadia et François. Merci. Le point suivant, il s'agit de l'adhésion à l'intercommunale IMIO dans le cadre de la mise en place de YAD Delib. Avez-vous des questions? C'est une prise de participation de 371, comme nous a dit le directeur financier tout à l'heure.
Ça se décide en conseil communal et ça nous va nous permettre d'encore accentuer la transparence. Oui. Ben, on aurait aimé voir les statuts qui sont mentionnés dans la délibération parce qu'il n'y avait pas grand-chose à la consultation, en tout cas pour ma part numérique. Je ne sais pas sur place s'il y avait plus, je n'y suis personnellement pas allé. On aurait bien aimé voir ces statuts parce qu'on prend une participation, certes, hein, 3 euros et quelques, mais c'est quoi la finalité, c'est quoi la représentativité, c'est quoi les termes et délais, comment on en sort, pour combien de temps. Tout est soumis au décret sur les intercommunales et donc il n'y a pas de différence entre une part ou 50 parts. Voilà, Et on est parti quoi pour combien d'années avec ça? À partir du moment où on entre dans une intercommunale, il n'y a pas de terme. Une demande de sortie. Si, c'est très bien qu'il d'état, on est jusqu'en, je sais pas moi, 2000... j'en sais rien, je dis c'est 30 ans ou renouvelable, mais... Oui, mais il y a une demande de sortie anticipée, c'est le cas échéé, sinon ça suit le terme même de l'intercommunale. Et comme l'IMSTAM, quoi. C'est comme l'IMSTAM. Donc c'est parce qu'on a fait une demande de sortie, mais on nous a quand même sollicité pour ça. En tout cas, sur IMIO, on aurait quand même aimé avoir plus... on doit prendre ici une décision. Je pense que c'est une première, pas grand-chose. C'est une première collaboration, surtout pour obtenir les outils. Pour pouvoir obtenir ces outils, nous avons besoin d'une part. Sinon, nous n'obtenons pas ces outils et ces avantages intercommunaux. Donc, quelque part, cette part engage financièrement énormément la commune, 3,71 €. Bon. Le reste, c'est simplement des outils et des programmes qui seront mis à disposition et qui vous permettront, à vous, le conseil et les conseillers, justement, d'encore avoir une information plus précise sur les conseils, sur les dossiers. IMIO est utilisé dans la plupart des intercommunales et des communes de Wallonie. Moi, je l'utilise, en tout cas, je suis très content au niveau d'IPAL. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, ici, on va alléger en même temps le travail de toute l'équipe administrative et en même temps, votre transparence sera assouvie à travers tous les documents que vous allez recevoir beaucoup plus facilement. Et ça diminue également le risque d'erreur. Maintenant, il faut, je pense, laisser faire l'équipe administrative pour qu'on puisse avoir justement le résultat de cet investissement. On est bien d'accord sur le fond. Enfin, on est content d'avoir entendu le directeur financier nous donner des détails tout à l'heure. Vous en avez rajouté ici. Mais c'est sur la forme, quoi. Encore une fois, on nous demande de voter quelque chose sur lequel on n'a pas les documents, on n'a pas les statuts tels que c'est indiqué. En plus, dans la délibération, selon les statuts, s'y joint et ils ne sont pas joints. Donc voilà, vous comprendrez que nous, c'est abstention. Quand on ne voit pas les choses, on s'abstient. Donc si vous êtes contre les outils de transparence, ou pas? Pas ça que j'ai dit, monsieur le bourgmestre. Je me demande. Oui. Donc ça veut dire que pour 3,71 €, on aura tous les services d'IMIO et il n'y aura plus aucune modification. Après, on paie 3,71 €, point barre. Pas du tout. Ah, et alors? Pas du tout. Les 3,71 €, c'est pour que vous puissiez rentrer dans le capital IMIO et qu'on puisse faire partie de l'intercommunal IMIO. Parce que sans ça, puisqu'on a démarché plusieurs fournisseurs qui pouvaient nous permettre de mettre ce décret transparence et de lighter le travail dû au PV. Mais si nous ne nous entrons pas dans l'intercommunal IMIO, je ne pouvais pas adhérer à ce logiciel. Donc il y aura des frais de logiciel. Il n'y a que le fait d'entrer dans l'intercommunal IMIO, le marché, on ne doit pas le faire puisque c'est le marché, et que systématiquement, quand la législation elle va changer, du fait que je pense qu'il y a énormément de communes, je pense qu'on est à 80% maintenant, ils vont mettre gratuitement à jour le programme qui permettra d'adapter le logiciel à la législation qui pourrait changer. Je pense au décret transparence qui doit rentrer en œuvre chez nous le 1er octobre. Oui, donc ça veut dire que c'est important pour nous d'avoir les statuts et de savoir ce qu'il y a comme dépenses après. Enfin, comment IMIO voit les choses après,
par rapport à tout ça, est-ce qu'on apporte? Mais les dépenses, vous n'allez pas les trouver dans le statut. Les dépenses, vous allez les trouver dans les offres qui vont être présentées au collège et auxquelles vous aurez forcément la consultation et accès, parce qu'on ne va pas IMIO a d'innombrables services qu'on ne va pas tout prendre. Pour l'instant, on va prendre le logiciel transparence, la rédaction des PV qui va être différente, et comme l'a dit tantôt le directeur financier, via justement ce contrôle interne qu'on réclame à Cor et à CRI, on va mettre toute une série de choses en route pour nos stages que l'on a repris entièrement. Voilà l'adhésion à l'intercommunal IMIO qui nous permettra de mettre en route. C'est ce que vous nous... Vous pourrez à l'Assemblée générale d'IMIO de fin d'année, de décembre 2023, avoir accès tant au compte qu'au rapport d'activité, qu'au statut, puisque l'achat de cette part nous donnera un droit d'accès justement à cette Assemblée générale, peut-être une goutte d'eau dans l'ensemble des communes wallonnes, mais ça nous donnera accès à l'organisation complète de cette intercommunale mais c'est le principe même, hein, encore une fois, qui rend énormément de services et qui peut vous procurer justement cette demande d'information qui est toujours la vôtre. Voilà, qui est pour cette adhésion et cet achat d'une part à IMIO ? Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point suivant, rapport de deux abstentions, François. Rapport de rémunération 2022. Avez-vous des questions concernant ce rapport de rémunération 2022 ? Oui. Moi, j'avais juste la justification de notre vote, mais juste une chose, monsieur le bourgmestre. Nous étions dans les intercommunales. J'attendais au fait une explication par rapport au fait que l'IMSTAM n'était pas sur la table. Ça ne fait pas partie de l'ordre du jour, ça, madame. Ben évidemment, vous ne l'avez pas mis. Je m'expliquerai, mais ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. Donc vous allez l'expliquer, alors ? Vous avez une question à poser ? Ici, vous ne posez pas de questions. Ce n'est pas le moment des questions. Et vous n'avez pas rentré cette question. Monsieur le bourgmestre, voilà, je vous ai envoyé un mail à ce sujet-là. Non, vous n'avez rien envoyé du tout dans le cadre des questions. Il est noté dans mon mail. J'ai précisé. Aujourd'hui, nous devons avoir ce point. C'est une obligation. Et vous ne l'avez pas mis à l'ordre du jour. Ce n'est pas grave. J'irai ailleurs. Merci. Oui, oui, allez-y. Il y a une question qui est rentrée, mais pas de chez vous, madame Ilali, concernant cette intercommunale IMSTAM. Mais vous n'avez pas posé la question, madame Ilali. C'était dans mon mail avec le point supplémentaire, monsieur Bourmet. Dans mon mail, vous en envoyez tous les jours à la commune, madame Ilali. Allez, s'il vous plaît. Trois fois par semaine. Allez, allez, allez. Autre question concernant ce rapport de rémunération ? Qui est pour ce rapport de rémunération 2022 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention, François Nadia. Merci. Avis d'installation de caméras de surveillance fixe temporaire sur le site du festival Sowapi. Question ? Pour information, nous allons prendre une décision, mais ce travail de surveillance sera complété, voire remplacé par des drones, si je ne m'abuse, monsieur Gérard. C'est bien ça. Mais nous prenons par précaution cet avis d'installation de caméra ici au Conseil communal. Qui est pour ? Attends, il y avait une question. Pardon. Je n'ai pas compris. Si. Non. C'est le Sowapi qui est demandé. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Voilà. Point supplémentaire. Nous avons un point supplémentaire. Un point complémentaire à l'ordre du jour qui a été proposé par Madame Ilali, conseillère communale, avec le nom d'un groupe. Alors, en préalable, je tiens à vous préciser les choses et à vous signaler que, et je m'adresse particulièrement à Madame Ilali et à Monsieur Skits, ni le point supplémentaire,
ni les questions ne sont recevables puisqu'elles sont signées d'un groupe de conseillers qui n'a pas d'existence ici au Conseil communal. C'est faux. Et, s'il vous plaît, Monsieur Skills. Il n'a pas d'existence ici au Conseil communal, je suis désolé. Hein, quand c'est pas signé d'un groupe. C'est signé de nos noms propres. Non, mais on met un titre et qualité. Non, je suis désolé, monsieur. Conseiller indépendant. Je vous coupe comme ça, j'aurai pas de problème. Puisque maintenant, je peux vous couper la parole pour qu'on puisse, nous, au moins, s'exprimer librement. C'est pas coupé, là. Ah ben, ça que ça marche pas. Ah. Donc, on peut au moins s'exprimer librement sans être interrompu. Merci, monsieur Skits et madame Hilali. Alors, un groupe politique, en fait, n'a d'existence qu'au travers le vote démocratique des citoyens. Donc ici, dans cet hémicycle, il n'y a que le groupe IC et le groupe USB, puisque nous avions une liste IC et une liste USB. Et donc votre groupe, qui signe tant le point complémentaire que les questions, n'existe pas légalement dans cet hémicycle et vous n'êtes pas en droit de poser ces questions. Alors tout simplement, moi je vous demande, il ne faut pas invoquer la coupure de parole, hein, s'il vous plaît, ça suffit, c'est une question d'éthique, d'équité, tout simplement, tous les conseillers sont mis sur le même pied, et donc quelque part, pour ces questions et pour ces points supplémentaires, non seulement moi je vous demanderai de ne plus signer pour le groupe que c'est du clientélisme, hein, vous êtes parti déjà dans la campagne électorale. Donc voilà, moi je voudrais que vous ne signiez plus de telle façon, vous signez M. Skits, Mme Hilali, pas de souci, mais conseiller indépendant, bien d'accord, mais pas avec le groupe que vous essayez de monter à l'avenir. Alors voilà, en sachant aussi que, comme le règlement d'ordre intérieur le permet, et je le répète, c'est une question d'éthique, mot que vous citez souvent. Tous les conseillers sont sur le même pied. On a vraiment la même façon d'appréhender ici les débats au Conseil communal. C'est pour ça qu'il y a un règlement d'ordre intérieur que vous avez demandé, que tout à chacun demande, et qui est validé par le ministre et qui respecte le Code de démocratie locale et de décentralisation. Donc, l'article 77 dit bien, je peux vous le relire si vous voulez, eh bien, question posé par le conseiller communal, 3 minutes, réponse du collège, 2 minutes, et répartie, réplique du conseiller communal, 1 minute. Et maintenant, vous le savez, pour une question d'équité, et d'éthique, de transparence, de démocratie, eh bien, vous aurez la parole, comme au Parlement, hein, ça se passe exactement comme ça, eh bien, vous aurez simplement la coupure de votre micro, ce qui est normal, sinon il y a de l'abus. Voilà, je tenais à vous le dire parce que je sais que... Maintenant, par une question de respect et de transparence, parce que du respect, en tout cas de la part du collège, ça existe, je vais répondre, hein, puisque le point supplémentaire que vous avez présenté n'est en fait qu'une question, et je vais simplement vous dire que... en fonction de ce point supplémentaire que je ferai voter par la suite, hein, puisque bon, on refuse ce point supplémentaire. En tout cas, c'est une question. Et puis, il n'est pas recevable dans ce conseil communal. Mais de toute façon, j'y réponds, puisque je vous invite à une rencontre territoriale WAPI le 28 juin, où une enquête publique concernant l'enquête publique sur le schéma de développement territorial. Et dans le cadre de cette enquête publique du schéma de développement territorial, qui est l'objet de la question de Mme Hilali, eh bien, cette rencontre se tiendra le mercredi 28 juin de 13h30 à 16h30 au Negundo, et ça permettra justement de cadrer la thématique, de mettre en perspective les enjeux de ce schéma de développement territorial, d'identifier tous les enjeux importants justement pour le développement de la Wallonie-Picarde et en particulier de notre commune, et de structurer aussi un projet d'avis. Voilà ce que le collège compte faire. Et donc, j'ai le plaisir de vous inviter à cette rencontre intéressante. J'ai demandé à la directrice générale, et il y aura naturellement au moins un représentant administratif
de notre commune qui participera à cette réunion. Voilà. Je vais vous... Attendez, il faut que je m'habitue, je vous en prie. Donc, ce point et les questions, c'est... Donc, vous parlez d'ensemble pour Bruno, mais quelle est la personne qui a envoyé ce point ? Ce point est bien envoyé par... Mais je peux reprendre, hein, La personne qui a envoyé ce point. Nadia Ilali, conseillère communale, voilà. Ensemble pour Bruno. Voilà. Voilà. Alors, donc, moi, j'aimerais que vous me... Ensemble pour Bruno. Okay. Moi, je suis désolé, mais un groupe politique, okay. Vous ne pouvez pas, c'est de la d'accord. Propagande électorale. Non, voilà. J'aimerais juste que vous me donniez l'article du Code de démocratie locale qui ne nous l'autorise pas ou la réglementation. Je vous donnerai la définition. Par rapport à ça. On va prendre son temps. C'est pas... On respecte le Code de démocratie locale. Le code de démocratie locale précise simplement qu'un groupe politique officiel est celui qui émane des listes électorales et donc une définition claire du groupe politique. Preuve en est, c'est que vous êtes sorti de ce groupe politique. Point final. Oui, mais est-ce que les questions, bon. Est-ce qu'il y a une spécification par rapport à ces questions ? N'existe pas légalement. Ok, nous avons compris où vous voulez en venir. Je veux simplement que vous conformiez aux règles d'éthique de cette assemblée. Et alors, deuxième chose. Voilà, moi, je trouve que vous vous départissez beaucoup. Il n'y a pas de honte à avoir tort. Hein. Mais pas de souci. Le tout, c'est de se corriger. Non, pas de souci. Et alors, du coup. Il n'y a pas de honte à avoir tort, madame Nelly. Mais alors, du coup, on demande aussi une correction du collège, monsieur le bourgmestre, et donc que vous fassiez également respecter les timings quand il y a des réponses au niveau de vos membres également du collège. Puisqu'il y a des timings qui sont bien opérés à ce niveau-là, il y a des prises de parole qui ne peuvent plus être effectuées après nos prises de parole également. Il n'y a pas de souci, madame Ilali. On changera nos signatures juste pour vous, on signera USB la prochaine fois. Comme ça, vous serez content. Monsieur Ski, s'il vous plaît, c'est pas vous qui allez donner quelques leçons de... Hein je ne pense pas, n'est-ce pas, monsieur Ski ? C'est bien dommage que sur les sujets bien plus importants, vous ne soyez pas au fait de la transparence, de la bonne gouvernance et de l'éthique, monsieur le bourgmestre. Ah, mais tiens. C'est bien dommage. Ouais, allez, on bat, on ne va pas ici polémiquer, c'est votre spécialité. Pas l'affaire la est close, en voilà, effet. Alors, simplement, je vous demande le vote. Oui. Est-ce que tu pourrais nous... Enfin, ce serait possible de recevoir l'invitation pour le 28 On va par éthique, transparence, et on va envoyer, oui, n'ayez crainte, puisqu'on partage les... voilà, qui est contre ce point, enfin, en tout cas, le... Quoi ? Oui, en plus, ouais, ce point, avant que vous ne le rentriez, madame Ilali, pour la petite histoire, avant que vous ne le rentriez, eh bien, le collège avait déjà décidé de l'inscrire. Mais vous pourrez vérifier, puisque vous avez fait une photo, je pense, de façon, avec surprise, vous avez fait une petite photo de l'ordre du jour du conseil communal du collège. Eh bien, sur cette photo, vous verrez que l'ordre du jour contient bien l'ordre du... Oh, ma flûte. Tiens. Oui, tout à fait. On va vous communiquer tout, puisqu'on est dans la transparence la plus totale. Enfin, ça devient risible, mais voilà. Alors, je vous demande donc de reporter ce point. Ce point est inscrit le 3 juillet, donc on refuse l'inscription du point non recevable, du point complémentaire. Qui est contre ce point complémentaire ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 9 voix contre. Qui est pour ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Monsieur Skitz a exprimé un vote, hein ? On ne votera pas. Vous devez mettre le point. Quand un conseiller communal met un point à l'ordre du jour du conseil communal, c'est une obligation. Vous nous avez déjà fait le coup. Vous nous avez déjà fait le coup concernant les voiries. Ça suffit. Ça devait venir à vue commission, ça n'est jamais venu. Ou presque ici récemment. Donc on. Bah ouais. Je l'ai donc fait voter, monsieur Skitz, alors que vous ne demandiez même pas le vote dans ce n'est pas grave, monsieur le bourgmestre, nous irons s'en assurer ailleurs. Ben voilà, vous avez en recours une fois pour votre plus, information, merci. Je parle point de vue administratif, je ne m'occupe pas d'autre chose. Le point a été mis à l'ordre du jour, puisque le conseil communal s'est proposé au vote et a décidé de ne pas, donc. Il y avait une décision dans ce point, madame la directrice générale. Non,
Voilà. Donc vous refusez de mettre le point. Vous ne refusez pas de... Voilà. Donc on ne votera pas. Voilà. Ben ne votez pas. Voilà. Refus de vote. On ne va pas ici perdre son temps. Hein. Alors, les questions. Là aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, Rémi et Monsieur Vinquier. J'ai groupé les deux questions parce qu'elles concernent les avaloirs. Merci. Donc le 9 juin, sur la page Facebook du USB, l'USB a partagé une vidéo de toi, Pierre, qui indiquait que durant la semaine du 5 au 9 juin, plus de 4000 avaloirs ont été nettoyés. Cela sera même fait deux fois par an. Mais de ce fait, quid des avaloirs non nettoyés ? Ceci concerne-t-il des citoyens de seconde zone ? Hasard ou réactivité incroyable, ma question est envoyée jeudi et ce matin, le camion est passé dans les rues concernées. Donc... Néanmoins, existe-t-il un recensement des avaloirs ? En effet, certains ont été oubliés ou pour certains, les riverains ont dû rappeler les ouvriers en charge du travail afin de leur indiquer leur emplacement. En effet, ils sont parfois bien cachés sous la végétation. En parlant de la végétation, malgré l'obligation du règlement communal de police qui impose aux riverains et aux agriculteurs d'entretenir le filet d'eau faisant face à leur propriété ou location, à quand le retour d'une balayeuse afin d'aider la population dans cette tâche ? J'ai reçu la réponse en partie lors du point sur la modification budgétaire. Mais 12 000 euros seront-ils suffisants pour toutes les rues de la commune et ce, combien de fois par an ? Merci. Monsieur Vinquier ? Je rejoins de manière moins vindicative, je rejoins un peu Rémi. Voilà, justement, c'était la question. On a fait appel à une société pour nettoyer les avaloirs. Effectivement, apparemment, tout n'a pas été fait. En tout cas, quand j'ai posé la question, tout n'est pas encore fait. Donc, je demandais quelques éclaircissements à Daniel sur le travail de cette société. Merci, Daniel. Donc, comme vous le savez, c'est à Ipal qu'on avait, c'est par Ipal en tout cas qu'on a, on a fait le marché du curage de ces avaloirs. Alors, très exactement, il y a 2735 avaloirs sur notre entité et jusqu'à vendredi, il y en avait 2568 qui ont été faits. Donc, dès ce jour, effectivement, toute une série d'avaloirs qui n'avaient pas été faits et de rues qui ont été oubliées ont été faites aujourd'hui, ils ont redémarré parce qu'il n'y a pas que la ruelle Maréchal, il y avait aussi la rue du Planty, il y en avait quelques-unes, donc tout ça a été refait aujourd'hui puisque naturellement l'ensemble des avaloirs doivent être curés. C'était une première hein, et donc dans le marché on avait prévu également, enfin il était prévu et il a été réalisé, de localiser chaque avaloir par un système GPS, ce qui permet maintenant de retrouver sur une carte qui sera dynamique avec les services travaux, de répertorier tous les avaloirs. Et donc, effectivement, lors de la deuxième phase, avaloir après avaloir, chaque fois qu'ils passeront sur l'avaloir, on verra en tout cas l'intervention de la société. Donc voilà, effectivement, il y a eu, mais ça, c'est, je vais dire que c'est presque logique la première fois, il fallait bien démarrer. On avait une situation sur des plans qui existaient par rapport aux avaloirs, mais ils n'étaient certainement pas localisés au centimètre près comme par le GPS. Donc voilà, et le prochain passage est prévu fin d'année. Donc certainement après le 15 novembre, début décembre, effectivement, il y aura de nouveau le curage pour la deuxième fois cette année. Et on est parti ainsi pour les années suivantes de la même manière. Alors la balayeuse, donc on a lancé un marché. Hein, donc on attend les offres. Elles doivent rentrer ici pour début de semaine prochaine. Et donc là aussi, ça va, on a fait un premier marché pour se rendre compte comment ça va tourner avec toutes les sociétés qu'on a consultées. Pour après peut-être faire quelque chose de plus pérenne et de passer deux à trois fois par an dans l'ensemble des villages. Merci. Rémi. Merci. Philippe. Merci. Question suivante, Monsieur Skitz. Donc on peut poser les questions. Oui. Okay. La première, si on a deux. Je voulais juste vous demander, donc, la première question, si les élèves de 6e primaire des écoles libres... Vas-y, je t'en prie. Si les élèves de 6e primaire des écoles libres de l'entité ont été invités à la cérémonie de remise des CEB.
comme nous l'avions proposé l'année dernière. Pour information, nous avons écrit le 16 mai à la directrice de l'école libre Saint-Charles ainsi qu'à la directrice de l'école libre Sainte-Marie qui nous ont répondu qu'ils allaient réaliser la passation du CEB en école comme l'année dernière pour Saint-Charles et qu'il n'y avait pas d'élèves qui passaient leur CEB à l'école libre de La Plaigne. Alors, je me suis permis leur demander, de les inviter, en tout cas de les informer, d'informer la directrice de Saint-Charles de ce qui avait été décidé et de l'invitation de leurs trois élèves du CEB à notre fête. À notre remise de CEB, mais elle m'a simplement dit que cette cérémonie avait lieu de façon intimiste chez eux et elle ne désirait pas que les enfants participent. En tout cas, ils faisaient ça de façon intimiste chez eux. Voilà la réponse qui... Ouais, naturellement, comme me rappelle Madame la directrice, nous offrons un cadeau à nos enfants de l'école communale, mais nous offrons aussi un cadeau aux enfants de l'école libre qui ont leur CEB. C'est tout à fait normal. Ok, merci. Je peux poser la deuxième ? Je peux poser la deuxième ? Ah oui, allez-y. Donc, la baisse du taux de natalité a-t-elle une influence sur les inscriptions à la crèche ? On a beaucoup parlé de cette baisse de taux de natalité ces deux, trois dernières années, là, et par rapport à l'influence à l'école, mais pas forcément à la crèche. Donc, ça, c'est la question principale. Et donc, aussi, quelle est la proportion d'enfants domiciliés sur le territoire de la commune qui fréquentent la crèche ? Quelle est la proportion de ces enfants fréquentant une école de Bruneau en sortant de la crèche ? Et devons-nous encore refuser des inscriptions faute de place ? Je vous remercie. Merci. En ce qui concerne la dénatalité, non, il n'y a pas d'influence à ce niveau-là. Pour vous donner quelques chiffres, les demandes d'inscription pour 2019, 47 demandes. 2020, 47 demandes. 2021, 62 demandes. 2022, 47 demandes. Et ici, au 30 juin, nous sommes à 32 demandes d'inscription au niveau de la crèche. Je parle bien des demandes d'inscription. Mais il y a aussi les inscriptions en elles-mêmes. En 19, il y a eu 26 inscriptions. En 2020, il y a eu 25 inscriptions. Et en 2021, 34 inscriptions. Par exemple, sur les 25, ça fait beaucoup de chiffres, hein, mais sur les 25 en 2020, il y avait deux hors entité. Et sur en 2021, sur les 34 inscrits, il y avait un hors entité. Lorsqu'on prend le chiffre, donc la dénatalité n'a pas d'influence du tout. Lorsqu'on prend le chiffre d'habitants Bruneau, des enfants qui habitent Bruneau, on arrive, d'après la directrice, à environ 90%. Naturellement, ces chiffres sont toujours aléatoires vu les déménagements, donc c'est pris à la source de l'inscription, mais le cursus des couples actuellement et des familles est parfois très difficile. En ce qui concerne le pourcentage des enfants qui partent dans nos écoles, aussi très difficile, on peut le chiffrer environ à 50%. En sachant que, pour prendre un chiffre plus précis pour l'année 2020, sur les 25 enfants inscrits, il y en a 18 qui sont allés à l'école à Bruneau à partir de 2 ans et demi et 7 hors de l'entité. Voici les chiffres que j'ai pu récolter en sachant que les entrées et les sorties sont tout de même très fréquentes et que quelque part les refus sont très faibles et les refus sont essentiellement concentrés sur les hors entités dans un premier temps, mais on accepte les hors entités à partir du moment où le taux d'occupation tombe en dessous de 80%, ce qui est interdit, et donc on essaie justement de garder cet équilibre, même s'il y a pas mal parfois d'attentes. En général, l'entièreté des familles sont assurées d'avoir cette présence en crèche, cette surveillance en crèche et cette acceptation en crèche. Ok, merci.
Merci. Alors, j'étais passé outre d'une question de Madame Bourguel. C'est au sujet de l'INSTAM. C'était pour savoir où on en est de notre collaboration avec cet organisme. En ce qui concerne l'INSTAM, et le point, je vais répondre, après je laisserai Marc répondre plus complètement aux perspectives d'avenir, mais en ce qui concerne l'absence de délibération ici, il faut savoir que quand le Conseil ne délibère pas, eh bien chaque délégué qui sera présent à l'Assemblée générale, c'est le décret sur les intercommunales, pourra émettre un vote personnel qui correspond justement au cinquième des parts qui sont attribués à l'associé, donc en l'occurrence à la commune ou au CPAS, à l'associé qu'il représente. Voilà pour l'explication, mais Marc va nous donner quelques infos toutes fraîches. En fait, au niveau de l'INSTAM, pour rappel, on avait... Donc au niveau de l'INSTAM, comme service, comme entité, on avait les soins palliatifs. Donc on a l'équivalent d'un demi-ETP qui travaille actuellement dans l'encadrement des personnes en fin de vie. Il y avait les deux PSE au niveau de deux écoles, Guigny et La Plaigne. Effectivement, l'année dernière, j'ai continué, je dirais, mes réunions avec l'INSTAM parce que 2028, c'est encore loin. Et pour avoir un peu quels sont les services qui pouvaient être rencontrés sur notre entité. Ça m'a valu tout de même d'être traité de schizophrène parce que voter contre et après aller à des réunions sur l'avenir de l'INSTAM, on trouvait ça un peu aberrant, mais voilà. Je crois qu'on est là avant tout pour faire avancer les choses et apporter des services à notre population. Nous les avons rencontrés au niveau du collège aujourd'hui, c'est tout frais. On peut déjà vous dire qu'un centre de prélèvement sanguin rentrera en fonction dès le mois de septembre au niveau d'Olin. Au niveau du local ONE. Donc ça, c'est acquis à partir du mois de septembre. Donc une infirmière sera à disposition des personnes un jour par semaine pour commencer, pour faire uniquement des prises de sang. Concernant les projets futurs de l'IMSTAM, en fait, ce sont des projets qui s'inscrivent dans le cadre d'une intercommunale, donc qui rencontrent les besoins de plusieurs communes et pas uniquement l'entité de Brunehaut. C'est la mise en place éventuellement d'une permanence pour la coordination du maintien de la personne à domicile. Au niveau des 10 des écoles qui a un problème, je dirais, important, c'est un soutien principalement collectif au niveau des parents face aux enfants ayant ces troubles. Au niveau de la santé mentale, un projet en collaboration avec les marronniers sera mis en place aussi et est en discussion actuellement. Au niveau de la mise en place d'actions, principalement au niveau de psychologues, toujours au niveau collectif, pas individuel. Et un axe aussi de développement de la promotion de la santé en fonction des profils de population, comme par exemple l'Alzheimer, la démence et l'accompagnement des familles. Donc voilà, ça ce sont des projets, je dirais, qui sont sur la table. Et je dirais, ce qu'on peut certifier, c'est la création de ce centre de prélèvement sanguin à partir du mois de septembre. Merci, Madame Bourguel. Sandrine. Ok. Il n'était pas mis à l'ordre du jour aussi. Ce point-là, pourquoi c'était pas mis à l'ordre du jour, Lisa? Ah non, c'est une question aussi. Ah ouais, c'est tout. Je ne pose plus. Merci. Malaise. J'ai pas beaucoup. Non, ce point n'était pas à l'ordre du jour. Ouais. J'ai... Il n'est pas à l'ordre du jour, justement, parce qu'on est en pleine discussion, donc on n'avait pas tous les éléments non plus d'accord. Pour orienter une décision. Ni pour... Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle on laisse les membres du Conseil s'exprimer. Okay. Voilà. Lors de cette Assemblée générale. Non, ça n'appelle pas de... Non, mais je suis d'accord, mais ça n'appelle... Madame Ilali, posez votre question. Allez-y, c'est votre tour. Monsieur le président du CPS ne l'a pas mis, lui, à l'ordre du jour ? Je sais pas. Non, parce que la convocation est arrivée après que le conseil a envoyé cette convocation. Ah oui, là, oui. Ah ouais.
Là, c'est compréhensible. Parce que, en plus, c'était une convocation avec le comte, donc cette convocation est envoyée 10 jours francs avant la date du conseil, et la convocation de l'instant est arrivée après. Merci. Alors, ma première question, c'était plusieurs dépenses sont effectuées dans la rue du Marais à Olin. On parle de géomètres, de droits de tirage à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous donner un détail des frais effectués et pourquoi ? Merci. Merci. Oui, donc concernant le géomètre, la rue du Marais, donc on s'est fait une réflexion avec nos deux halls ruraux. Hein, donc la possibilité d'éventuellement découper un terrain à l'arrière, puisqu'on a une belle route d'accès hein, qui permet l'accès à l'arrière, et éventuellement pour refaire une parcelle supplémentaire où on pourrait accueillir un bâtiment de type industriel, enfin en tout cas comme on a maintenant, et le mettre éventuellement à la vente si c'est ça, puisqu'on a beaucoup de demandes de personnes qui recherchent ce type à la fois de terrain et surtout de construction. Et donc on a demandé à un géomètre, effectivement, enfin on a lancé un marché pour effectivement réaliser une implantation, et on demanderait un CU2 auprès de la région Wallonne pour voir si on peut le faire, parce que je ne garantis pas qu'on pourrait le faire. Alors les droits de tirage, donc ça faisait suite à la réunion des riverains qu'on avait eue pour l'autre partie de la rue du Marais, donc face celle du géomètre, c'est de l'autre côté, hein, côté, je vais dire, des bâtiments ruraux. Et là, donc, il y avait une demande, notamment pour la partie égouttage existante, de voir s'il n'y avait pas des améliorations à faire. Et donc, on a demandé à travers ça une étude à IPAL, de façon à pouvoir réaliser, si nécessaire, des adaptations de cet égouttage-là. On parle bien de l'égouttage qui est à gauche quand on va vers le rond-point, entre la place verte et... Donc en venant de la... Oui, vers les maisons qui sont aujourd'hui... Enfin, tout le bâti existant aujourd'hui de la rue du Marais. Vous voulez me dire que ça n'a rien à voir avec l'éco-quartier, quoi, c'est ça ? Ça n'a rien... Non, parce que eux, c'est tout à fait indépendant, et c'est un égouttage qui leur est propre, en tout cas dans l'étude qu'ils avaient démontré. Il n'y avait pas, comme on le dit, il n'y avait pas une goutte d'eau de ce terrain-là qui va vers la gauche. Et effectivement... tout ce qui est à gauche va rester également de ce côté-là. Donc on ne mélange pas les réseaux d'égouttage, en tout cas. Merci. Oui. Ok. Je pose ma deuxième. Par ailleurs, en date du 7 juin, il est noté au collège retrait de la demande de permis pour l'aménagement des abords. On parle de l'éco-quartier. Cela correspond à quoi ? Avons-nous des nouvelles des recours ou du recours opéré par les riverains ? Suite aux deux recours introduits dans le cadre du dossier Voirie, nos avocats nous ont avertis d'un arrêté ministériel qui risquerait d'annuler les deux permis. Donc le permis d'urbanisme et le permis voirie. Alors la seule solution, c'était de retirer notre demande de création de voirie et d'aménagement des abords, ce que le collège a fait. À l'heure ici où je vous réponds, nous avons reçu l'arrêté ministériel du 7 juin, décision sur recours du ministre Borsu, qui refuse la création de voirie. On en est là et nous avons prévu une proche réunion avec les avocats et l'entreprise pour envisager la suite de ce dossier. Ah voilà. Donc vous répondez à une de mes questions déjà. Alors, ok, merci. Donc nous avons consulté cet arrêté.
Outre le problème de procédure qui sont pointés dans l'arrêté, décision du conseil communal sur les aménagements des abords alors que ça ne relève pas de ses compétences, l'arrêté précise que ce dernier outrepasse ses droits, problème d'affichage, problème dans les documents transmis à la consultation. Ce dernier stipule, je cite, qu'il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité de développer le réseau vière à cet endroit du territoire communal, que l'intermodalité est particulièrement limitée et que ses créations et modifications de voiries n'ont pour principal objectif que de desservir les 35 futurs logements qui obligeront leurs occupants à l'utilisation quasi inévitable du tout à la voiture. Pour eux, cela n'améliore pas le maillage visé par le décret. Alors, comme vous avez répondu à une de mes questions, j'aimerais savoir qu'en est-il de la liaison qui rejoint la 507 au Ravel le long de l'Escaut qui rentre dans le cadre Bimassi, parce que quand on lit cet arrêté, on a du mal à croire que ce projet-là va être accepté par... Ben, j'essaie projet... de me dépêcher. Hein. Oui, une minute, tout juste. Mais très bien. Projet, voilà. Donc on a... Il y a deux conseils, je pense. Hein. On a introduit cette modification de plan Bimassi. Et... pas l'autre. Oui, c'est-à-dire que, je l'explique, en termes d'intermodalité par rapport à Bimassi, au début on voulait aménager le parking pour créer là un centre d'intermodalité dans l'esprit où on voulait faire un échange entre la voiture, les vélos et tous les moyens de transport. Malheureusement, bon, ça n'a pas été accepté et donc notre point d'intermodalité, nous, pour Brunéo, c'est la gare d'Antoin. Hein, qui doit se retrouver. Donc ça, pour eux, c'est ça le centre d'intermodalité. D'accord. Où on peut retrouver à la fois les échanges, le train bien sûr, les bus qui sont là, le vélo, enfin tout. Et toutes les liaisons qui permettent à la mobilité douce de rejoindre facilement ce point d'intermodalité sont retenues dans le cadre du Bimassi. Et donc la liaison qu'on a proposée reste d'actualité et sera réalisé, projet ou pas projet d'ailleurs, parce que ça a son utilité. Merci. Voilà, il reste encore deux questions pour Muriel, si je ne m'abuse. Donc, ton micro, Muriel, s'il te plaît. Pour moi, la première question, il s'agit plutôt d'une proposition concrète pour les jeunes de 18 à 25 ans. Je souhaiterais que la commune organise cet été une soirée d'information sur le service citoyen, en collaboration avec le service, pour permettre aux jeunes de connaître cette possibilité d'action citoyenne qui pourrait leur être offerte. Le service citoyen se concrétise sur 6 mois et permet aux jeunes d'expérimenter l'engagement citoyen, seul ou en groupe, leur permet de s'inclure dans un brassage social et culturel unique en soi qui vise un mieux-être global dans la société et d'acquérir des compétences essentielles à leur développement personnel, professionnel et citoyen. Si vous le souhaitez, je peux être le relais entre la commune, ce service, via le PCS. Merci. Clara, je pense, qui est responsable. Donc, le collège a rencontré en fait une personne du service citoyen, Madame de Braquelard, je ne sais pas si voilà, ça te parle, qui est venue présenter au collège ce qu'était le service citoyen le 5 septembre 2022. Le collège, donc, il y a 5 niveaux au niveau du service citoyen. Le collège a adopté la charte à la suite de cet entretien et donc membre, donc on est au niveau 1 pour l'instant. C'est le PCS et Jordan qui est l'employé administratif en charge du relais avec le service citoyen. Une session d'information pourra être faite sur la commune, comme tu le suggères, et nous passerons ainsi au niveau 2. Mais pour cela, et après contact en fait, avec le service citoyen, il nous suggère d'abord de faire une étude de terrain avec les différents partenaires afin de connaître les possibilités d'offres qu'on pourrait proposer en fait, aux jeunes. Et ensuite, on pourra développer cette séance d'information. Et si on va jusqu'au dernier pilier, dernier niveau, donc le niveau 5, là, à ce moment-là, on pourrait voir si on ne pourrait pas être un partenaire qui accueille ces jeunes ici au sein de la commune ou avec les partenaires communaux. Voilà. Il y a deux choses différentes. Donc, effectivement, la commune pourrait être partenaire pour accueillir des jeunes de Brunéo ou d'ailleurs. Mais ici, ils ont mis en place, en tout cas en WAPI, des séances d'information et de formation sur le Tournaisis, parce qu'avant, il fallait aller à Froyenne. Maintenant, ils vont utiliser l'auberge de jeunesse. Ils vont vraiment
se fixer sur Tournai. Et donc, des jeunes de Brunehaut pourraient déjà aller faire un service citoyen à Tournai, à Antoin. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, je pense que les jeunes ne sont pas au courant parce qu'ils sont un peu rémunérés. Ça leur permet, lors d'un stage d'attente de chômage ou en période compliquée, ou tout simplement pour expérimenter une nouvelle expérience, une nouvelle chose, ce service existe et il n'empêche qu'on puisse leur expliquer, même si on n'est pas encore acteur de la charte. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire ce travail de manière parallèle parce que la prochaine formation commence le 11 septembre et que si des jeunes ne savent pas quoi faire de l'école en septembre, on pourrait imaginer en tout cas de leur faire connaître ce service. Et ça prend une soirée de travail à un travailleur. Merci. Non. Maintenant, c'est une information supplémentaire. Merci Muriel. La dernière question, Muriel. Donc pour ma deuxième question, donc sécurisation des places et entretien des ruelles. Je reviens à l'attaque parce que moi, en tout cas, j'estime que la situation n'est pas correcte, en tout cas dans de nombreux endroits. Donc notamment le manque d'entretien des arbustes à la place de Ouest qui insécurise le trafic routier et fragilise les usagers faibles quand ils souhaitent en tout cas traverser la place. Alors il y a aussi la ruelle le long de la brasserie à Rongy qui est dans un état pitoyable où finalement les herbes et orties sont plus hautes que moi. Est-ce qu'on pourrait l'entretenir? Alors c'était pas dans ma question mais je me permets quand même de rajouter la digue à la plaine qui est régulièrement utilisée et entre le moment où j'ai posé ma question où je l'ai écrite et aujourd'hui on me demande en tout cas d'essayer de faire changer les choses et simplement de l'entretenir et donc on revient avec notre proposition de à quand la mise en pratique de la proposition du groupe IC du cantonnier par village qui serait responsable que les gens pourraient appeler en leur disant voilà il y a un tel problème et que ça pourrait être un relais entre le service travaux. Enfin voilà, on revient à la charge là-dessus parce qu'on se rend compte que dans les faits, il y a un vrai problème d'entretien et de sécurisation des places. Et avant qu'on me dise à Ouez, si on ne voit pas bien, on ralentit, moi je passe là tous les jours et même quand je passe à 10 à l'heure, quand il y en a un qui arrive de la rue de la Sucrerie, s'il va vite, il me coupe en deux. Oui, Daniel, deux minutes. Voilà, donc je vais peut-être faire juste un court résumé parce que le contact avec la population, donc en tout cas il y a le contact téléphonique, il y a les gens qu'on voit régulièrement, et donc dans ce domaine-là, aujourd'hui, les ouvriers sont tout à fait abordables dans n'importe quel village quand ils sont là. Je vais juste dire qu'aujourd'hui, naturellement, la période actuelle que l'on vit, avril, mai, juin, est toujours une période très délicate, uniquement parce que les festivités ont repris, il y a tout plein de choses qui se font, et donc effectivement, il manque du personnel, peut-être comme ailleurs, dans le monde ouvrier. J'ai 21 personnes, j'en ai 3 qui sont assurées, qui font le fauchage avec le tracteur, les tontes, des entretiens de terrain de foot, ici au niveau du parc, enfin tout ce qui est là, les réparations de chicanes ou de mobilier, deux personnes qui sont temps plein pour les festivités organisées, et c'est une très bonne chose. On n'avait pas connu ça naturellement avec le Covid, on avait oublié, mais je peux vous assurer que tous les week-ends, il y a quelque chose, au-delà des fêtes de voisins, de Fancy Fair et de autres, les barrières Nadar ou Eras ne font que voyager d'un point à l'autre. Et donc, c'est vraiment une activité qui prend beaucoup de personnel aussi. Au niveau de nos bâtiments, on parlait tantôt de bâtiments, ils sont tous rénovés, mais on doit les entretenir. Ben, 4 personnes qui sont en plein dans nos bâtiments, à la fois pour remettre en couleur, pour entretenir, pour faire toutes les réparations diverses. J'ai 4 personnes qui sont et qui tournent au niveau... Non, donc, bâtiment, 4 personnes, c'est bien ça. 2 personnes qui tournent autour des cimetières. Et l'entretien des cimetières, et quand on a fini un cimetière, on recommence celui qu'on a fait une semaine ou 2 semaines avant. Au niveau de la voirie, 4 personnes qui travaillent.
au niveau de la grue, des camions, et je comprends même là-dedans au niveau de la voirie, puisque j'ai perdu quand même pas mal de personnel dans ce domaine-là, qui sont le fossoyeur. Oui. Il me reste 6 personnes. Ah, pardon. Non, mais... hein? Donc il me reste... C'est tout. C'est rien, on a compris. Tout à fait. Je ne réponds plus. Et donc, moi, j'ai jamais voulu remettre en question le... Ben non. Non, mais là, plus intéressant était à la fin, mais je ne peux pas le dire. Non, pas. Ouais, c'est vrai. Bon, donc, c'est comme le même règlement pour tout le monde, vous voyez que, hein. Comme c'est ma minute, je vais essayer d'en profiter. Moi, j'ai jamais remis et je n'ai jamais souhaité remettre en question le travail des ouvriers. Il y a un problème, en tout cas, on met en place plein de choses avec les PCDR, des groupes sentiers. Donc, si on met en route plein de choses pour favoriser la mobilité douce, il faut se donner les moyens. Voilà, il n'y a rien à faire. Ou alors, c'est des fausses bonnes idées et il faut concrétiser les bonnes idées et donc entretenir tout ce qui facilite la mobilité douce et aussi les places. Merci, c'est ici que se termine la séance publique. Nous allons maintenant prononcer le huis clos.